Salut à tous, dans cette vidéo, je vais montrer comment créer des pinceaux personnalisés avec Affinity Designer. Et vous allez vous familiariser avec les différentes fonctions proposées dans Affinity Designer pour créer vos propres pinceaux personnalisés. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles pépites créatives dans votre boîte mail. Et je vous dis à tout de suite. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez constater, l'interface est la même que la vôtre, mais pas les panneaux. Normal, parce que j'ai agencé à ma manière. Sachez une chose, que le panneau que vous voyez à votre gauche, le panneau de pinceau, c'est par défaut proposé par Affinity Designer. Vous avez le stylo, vous avez l'écrit, la pastel, aquarelle, gouache et basique. Les broches sont très nombreuses et très intéressantes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une catégorie. Alors, il suffit juste de cliquer ici, le petit menu hamburger, une petite flèche, et vous cliquez sur créer une catégorie, d'accord. Et là, ça met par défaut pinceau. Vous pouvez éventuellement la nommer. Par exemple, je peux nommer par exemple mes broches, d'accord. Et je fais OK. Voilà, maintenant c'est nommé. Maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter. Par exemple, par défaut, je peux prendre un pinceau uni. Si je clique deux fois dessus, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet de jouer avec la largeur du pinceau, la variance et l'opacité. Vous pouvez jouer avec la pression, vous pouvez jouer avec la courbe. Donc vous avez plein de possibilités. Vous avez la possibilité d'utiliser le type plume, créer un tracé comme ceci. Si je clique une fois dessus, il va être appliqué. Maintenant, si je clique deux fois dessus, vous avez la possibilité de changer la valeur de la largeur du pinceau, la variance et l'opacité. Vous avez totalement la liberté. J'ai la possibilité d'ajouter une forme à partir d'une image. Donc, moi, j'ai dessiné une flèche sur Affinity Photo et je peux l'importer. Alors, il suffit juste de cliquer sur le menu hamburger et je clique sur Nouveau pinceau image à texture. Je vais importer mon image, vous voyez, et je reprends mon petit plume, j'ai fait mon tracé, tranquille, et je clique une fois dessus, et ça a appliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est quand je clique deux fois dessus, la possibilité, bien évidemment, comme tout à l'heure là, je vous ai montré, vous pouvez choisir, changer la valeur, la variance, etc. Moi, ce que je vais vous montrer, vous avez la possibilité de répéter. Puis vous réduisez la largeur, il y aura les multiples répétitions. C'est vraiment génial parce que vous avez un tas de possibilités. Si vous agrandissez, elle va perdre la répétition. Si vous réduisez, vous allez la retrouver. Une chose intéressante, c'est que vous avez la possibilité, bien évidemment, de déplacer comme ceci en jouant sur le petit poignet. C'est vraiment intéressant. Voilà ce que vous pouvez faire avec cette forme de décoration dans vos travaux. N'oubliez pas une chose, c'est que ici à votre gauche, il y a une valeur. Cette valeur représente quoi? Ici, la taille du pinceau. Donc, si j'augmente la valeur, vous voyez, le chiffre change. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, n'oubliez pas de créer une catégorie, de la renommer. Et vous pouvez créer un pinceau uni comme la première. Ou un pinceau à partir d'une image. Travailler sur Affinity Photo ou Adobe Photoshop. Enregistré en PNG, je précise bien. Vous pouvez obtenir ce résultat-là. Vous avez un aperçu normal que la console PNG, vous voyez un petit cadre blanc. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, vous voyez la différence ici, il n'y a pas d'aperçu. Contrairement à ici. Donc ici, c'est à partir d'une image. Ça fait normal. Donc quand vous jouez avec ça, vous voyez en haut, ça change, mais pas en bas. Normal parce que ça, c'est l'aperçu. Donc voilà. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez un commentaire et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dans votre boîte mail. Ciao !